Bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne TGS Rogue Star Club et pour une nouvelle présentation custom et test d'un véhicule qui est sorti donc jeudi à 11h. Et c'est donc la Vapid Dominator FX Interceptor, donc un nouveau véhicule de police. On a donc eu les deux derniers véhicules du DLC concernant les véhicules de police, hein, évidemment. Ces deux derniers véhicules de police qui étaient encore dans les fichiers du DLC sont maintenant sortis. Il n'y a plus d'autres véhicules de police qui sortiront pour ce DLC Bottom Dollar Bounties. Avant d'attaquer et de parler plus en de cette Dominator FX Interceptor, pour rappel, vous avez la Impaler Helix Cruiser que j'ai fait en vidéo présentation custom et test hier. Je vous l'ai mis à jeudi à 11h, donc hier à 11h. Voilà, donc si vous ne l'avez pas vu, la présentation custom et test de ce véhicule sera avec le lien dans la description. Voilà, on repasse donc à cette Dominator FX Interceptor qui est maintenant disponible chez Warstock à un prix de 4 950 000 GTA dollars en tarif normal, et si vous débloquez le tarif spécial elle passera à 3 712 500 GTA dollars. Donc il faut savoir que je vous ai déjà présenté la version civile, on va dire la version normale de cette Dominator FX sur la chaîne. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description parce que vous allez avoir, donc on a reçu jeudi la version Interceptor, la version police, mais vous aurez aussi la version civile qui sortira prochainement sur GTA Online pour cette Vapid Dominator FX. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, évidemment le lien de la vidéo est dans la description. Et là on va voir un petit peu du coup en termes de custom qu'est-ce que ça va donner. On risque d'avoir les mêmes pièces que la version civile, mais voir un peu ce que ça va donner, s'ils ont rajouté quelques éléments pour la version police, évidemment. Après, voilà, c'est une voiture qui est vraiment sympathique, mais encore une fois, c'est un vieux modèle, hein. On n'aura eu que des vieux modèles dans ce DLC comme véhicule de police, ce qui est un petit peu dommage, encore une fois, mais bon, c'est comme ça. Mais après, voilà, cette Vapid Dominator FX, c'est quand même sympathique dans son style. J'aime bien son allure. Donc on va faire vite fait le tour, même si du coup il n'y a pas vraiment besoin, hein. Si vous avez vu la vidéo présentation custom de la Dominator FX version civile, c'est exactement les mêmes bases en fait, hein, sauf qu'elle a un motif différent avec quelques éléments supplémentaires, mais voilà quoi. Et l'intérieur évidemment qui change un petit peu aussi, qui est adapté aux véhicules de police, mais voilà, après ça reste à peu près les mêmes intérieurs qu'on a eu sur la version civile évidemment. Voilà, donc on va pas s'attarder plus, je vous le montre juste histoire que vous voyez un petit peu ce que ça donne à l'intérieur si vous voulez, si vous hésitez encore à acheter ce véhicule depuis hier, au moins vous avez une présentation custom et un test voilà, plus ou moins complet de cette voiture avant de vous décider à l'acheter ou non, si vous ne l'avez pas acheté avant évidemment. Allez, on va maintenant couper le son et puis on se donne rendez-vous au LSQ. That you want me to perform. On passe maintenant à la custom de cette Dominator Interceptor. On va démarrer avec les ailes, vous voyez, hein. C'est du coup les mêmes pièces qu'on avait sur la version civile. Ensuite, blindage, ok, frein, ok, pare-choc avant, on va voir si on a du neuf. Tuning, course,
On n'a pas de. Ouais, voilà, on n'a pas de pare-buffle, quoi. Peut-être comme ça, du coup, on va essayer de faire en différent, hein, parce que bah, on va pas refaire la même que la version civile. Là, je vais peut-être pas mettre ça, parce que c'est pas terrible. Allez, on va faire comme ça. Moteur, ouais, bah ça semble être les mêmes pièces, hein. Finalement, on s'y attendait un petit peu. Je vous ai prévenu en début de vidéo. Ça, ça va changer. Canon peint, grillagé, avec sigle, sigle peint. On va faire comme ça. Lettre, capot, rainuré, aérodynamique, l'air passe haute, double ventilation, cache turbo, prise d'air en course. On va faire comme ça. Éclairage, bon, bah là, on va mettre Xénon. Motif, on verra après. Rétroviseur. Donc on a deux séries. Carré. Vintage. De course. Et importé. Bon, j'avais déjà mis importé sur la. Je pense qu'on va laisser de base là. On n'est pas obligé de toujours mettre les choses. Alors ensuite, les adversaires lumineux. Donc 100. Avec. Tac. Tac. Et tac. C'est dommage qu'on puisse pas en mettre un sur le tableau de bord là du coup. On va mettre les deux. Ça va être ouais, assez expédié hein, je pense du coup. Arceau de rue. Arceau intégro. Voilà, on va pas en mettre. Bas de caisse de rue. Carbone, sport. Ok, de course. Aligné. Tuning. Aérodynamique. On va mettre celui-ci, l'aéro, il me semble que je l'avais pas mis sur l'autre. Je suis pas sûr à 100%, mais c'est pas grave. Après, aileron, là, bec de canard, large, aileron sport, là, laminé, course, traversant, j'avais mis celui-là sur l'autre, tourisme, dragster, et dragster peint, par soleil, plastique, couleur 1, couleur 2, en carbone. On va le mettre en plastique. Suspension. On va les mettre sport. Transmission, ok. Turbo, tac. Type de roue. On va partir sur du sport. Je sais même plus quel genre j'avais mis sur l'autre version. Allez, on va mettre celle-ci. Je vous montre les autres quand même. Oh, quoique celle-là serait pas mal aussi, les GT1. Les chronos, pas mal aussi. Couleur des jantes, je sais pas, on va laisser comme ça. Apparence des pneus. Ouais, on peut faire ça à la limite. Je vais essayer de la faire. Ah oui, bah non, mais du coup, non. Du coup, ouais. Non, bah du coup, on va la faire comme ça. Hein. Je voulais la faire en mode civil. Police, mais banalisé, vous voyez ce que je veux dire. Mais du coup, bah non, avec le gyrophare au-dessus, c'est mort. Et les lumières sur le côté, c'est un peu mort aussi. Du coup, on va mettre juste comme ça les vitres. Ensuite, il reste. Le motif et les couleurs. Voilà, bon après c'est tout le temps les mêmes motifs, hein. Voilà quoi. Voilà les breakers pour la présentation et la custom de cette Dominator FX Interceptor. Donc c'est bien dommage, on n'a pas plus de pièces que la version civile qu'on va avoir un peu plus tard dans le jeu. Je m'attendais à peut-être des améliorations sur le côté, au moins sur les pare-chocs avant et arrière, avec des barres de renforcement, histoire de, que ça fasse un peu plus voiture de police. Du coup, bah limite, il faudrait la faire un peu plus banaliser cette voiture, que ça choquerait moins.
Mais après, bon, si on a la version civile, voilà, à vous de voir comment vous allez vouloir la faire, évidemment. Moi, je vous montre rapidement pour que ça vous donne une idée de la custom qu'il y a sur ce véhicule. Après, vous êtes libre de la faire comme vous le voudrez. Voilà, allez, on va vite fait tester ce véhicule, mais de toute manière, il a les mêmes caractéristiques que l'autre. Donc ça va être assez rapide, mais on va refaire un tour comme d'habitude. Allez, c'est parti. Tous les phares qui marchent, ça c'est bien. C'est une voiture qui marche bien, hein. Clairement, qui pousse pas mal, avec un comportement évidemment de grosse cylindrée. Alors c'est pour ceux qui se posent la question, vous ne pouvez pas lever la voiture comme les cylindrées habituelles. Ce n'est pas possible avec ces véhicules de service. Et voilà, elle marche bien quand même, hein. Direction dynamique, la tenue de route est vraiment pas dégueulasse. Ouais. Après, c'est une bonne caisse. Hein. Mais bon, elle a les mêmes caractéristiques finalement que la version de base que je vous ai présentée il y a quelques jours en arrière. Allez, on va voir. Mais bon, à mon avis, ça va être la même vitesse. Elle est dépassée les 190, ça me semble. Ah, c'est ça. Je connais pas loin d'être à fond. Wouhou ! Voilà les breakers, c'est donc la fin de cette présentation custom et test de cette Vapid Dominator FX Interceptor. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire de ce véhicule, si vous l'avez acheté ou non avant cette vidéo, et si vous regrettez de l'avoir acheté, ou si vous allez l'acheter après avoir vu les custom dans la vidéo. En tout cas, j'attends vos avis en commentaire. N'hésitez pas à lâcher le pouce du soutien. Évidemment, c'est très important pour la chaîne. À vous abonner en activant la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Voilà, sur la chaîne autour du DLC Bottom Dollar Bounties, évidemment. Et puis, sur l'actualité de Rockstar Games en général et de GTA Online, évidemment. Vous pouvez aussi me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, X, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Et on se retrouve ce soir pour une nouvelle vidéo autour des events qui arriveront prochainement sur GTA Online. A très vite, ciao !